Yo les regardèrent, on continue Halo 2. Voilà, let's go. C'était rapide. Hein. Merci, merci. Ouais, c'est bon, on est des streamers endurcis maintenant. On en a rien à foutre. Ouais, lâchez votre pognon là sur Twitch, s'il vous plaît. Vas-y là, pourquoi tu donnes pas toi? Allez, sinon que je vais même pas manger de pain demain. Pitié les gars. Me laisse mourir de faim. Pff, honteux. Puis je monte mon cul. Y'a pas. Quoi? Ah oh, merde. Vas-y les viewers là, baissez les yeux. Mais donnez-moi votre argent s'il vous plaît. Baisse les yeux mais donne tant d'argent. Non, vrai, ça se trouve, c'est une vraie technique qui marche, tu sais, genre. Genre, tu sais, les streamers qui font ça, genre, ils voient leurs bénéfices augmenter de ouf, tu vois. Et puis, t'as une sorte de mode où les streamers, ils passent leur temps à insulter leur communauté, tu vois. Mais non, mais il y a des streamers comme ça, hein, c'est ça le pire. Ça existe vraiment. Ouais, ça serait terrible. Mais ce genre de viewers, ça doit être vraiment des gens qui aiment se faire dominer, quoi. Sur la... Oui, mais sire, non, pitié, mon gars. Hop, sub. Ah non, mon gars. Qui sont un peu subversifs, tu sais, genre. Oui. Ça, c'est dire que j'ai... Oui, oui. Ouh. Non, oui. Ouh. Est-ce que ça va cracher? Oui, oui. Non, quand même pas. Ok. Attendez, en arrière. Putain, il fait le thème. Je me doutais de ce qu'il dirait. Le prophète du regret compte utiliser Halo. Vous êtes sûr? Le cercle sacré va s'embraser. Sa flamme purificatrice nous indiquera la voie vers... Attendez, je vais mettre les gants. Aucun doute. Commandant, on a un problème. J'ai entendu. De ce que j'ai compris, le prophète a besoin d'un objet. L'index. Pour activer l'anneau. J'ai repéré une bibliothèque semblable... L'index dans Halo CE, c'était l'espèce de clé, c'est ça? Oui, le truc vert, là. La grosse clé USB. Non, 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 les clés. Non, mais c'était pas le truc qui sortait de la pierre ou je sais pas quoi là? Non, d'un sort d'hôtel. Ouais, la clé USB. Et donc, en gros, là, vu qu'on veut pas que les Covenants ils activent ce Halo. Ah merde. You are here? Oh merde. Ouais, ouais, non, mais. Déjà, mes gants sont mal mis, en même temps j'étais en AZERTY. Sache comment j'étais en QWERTY. Incroyable cette question. Ok, c'est parti. Deux secondes. Je vais faire ça aussi. Voilà. Normalement, il n'y aura aucune image perdue sur ce stream. Ouais, c'était vraiment Twitch, hein, parce que le soir je regardais des streams et même les gros streams, genre Locklear, etc., à 20 000 viewers. Et... Les Foreigners ont construit ces ils avaient des problèmes. Des bâtiments plus anciens pour les protéger. Les honorer. Ah ouais, bon bah. Putain, par contre, j'ai des frises sur le jeu là. Ouais, ouais, j'ai eu. Il faudrait que je fasse d'autres analyses. Moi aussi. Bon, c'est peut-être qui galère à charger la map. Peut-être, ouais. Oh yo, ça fait trop du bien d'y retourner là. Il y a des têtes de jeux comme ça où genre tu joues vraiment beaucoup parce que t'aimes bien, ça te saoule, mais quand tu les reprends, t'es là, ah ouais, ah ouais. Non, en vrai, ça me saoule pas, mais c'est juste. Je sais pas, je vais devenir un vieux boomer, tu vois. J'ai plus le niveau de rester trop longtemps. Ah, de mon temps, on pouvait jouer des heures. Ah ouais. Je sais que mon père ne peut plus jouer au jeu. Il n'y arrive plus. Il commence à vieillir d'ailleurs. Putain. Tu sais, quand on fait des trucs administratifs, il est là. Non, attends, non, attends, j'ai pas eu le temps de lire là. Putain, j'ai pas envie de me retrouver dans la même sauce. Putain, j'aimerais là, tu sais, quand j'ai des enfants, d'être. Oh là là. D'être moderne. Mais c'est comme ça, hein. Ah, toi, tu joues encore à ces vieux jeux sur PC. Oh, regarde la VR. T'as vu ma toute nouvelle capsule? C'est pas par là, c'est pas par là. T'as vu, ça fait un peu cet endroit là. Ça fait un peu Star Wars. Star Wars, je sais pas. Ouais, t'avais un jeu sur.
je crois que sur PlayStation ou sur PC, il y avait un petit peu des décors comme ça. Enfin bref. Non, c'est pas par là. Attends, je vais essayer de voir. Il faut quoi pour faire un 360? Ok, 15 cm, 10 cm, je crois. J'ai une sensibilité tellement haute. Je me suis perdu. C'est pas grave, c'est pas grave. On sort de cet endroit et on se retrouvera. On vient de là. Et s'il y a rien. Ah bah, ça doit être là. Hein. Ouais, ouais. Ah bah, sûr. Oui, bah, c'est là. C'est là. Ok. En fait, il y avait un pont de mur. Ouais. Qui masquait l'entrée. Bon, on va niquer ces connards parce qu'ils sont un petit peu pénibles. Voilà, c'est fait. On l'a bien plombé. Ok. Ah ouais. Il a un pompe le Marines, hein. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Ah bah il se met bien. J'entendais son doux bruit. Je ne veux pas exposer ma position. Je vous envoie quelques traînards. Désolé, ces pélicans sont toute l'assistance que vous aurez. Et il y a notre taxi qui arrive. J'ai pas compris, on continue là où on était hier? Je comprends ou pas. C'est une nouvelle mission, on continue non, là où c'est on nouvelle mission, c'est une nouvelle okay, mission. Okay. Elle est séparée en deux en fait. Ok, ok. Et tu vois, hier on peut le voir d'ici, on était là-bas là. Je regarde, je sais pas si tu vois. Ouais, on est arrivé au temple quoi, ouais. Donc là, il y a le pélican qui largue le loot. Ah, le staff. Amdoulila, Amdoulila. Grosse surprise, elle est pleine de renforts cornants. Ok, il y a notre taxi là. Ok, je suis prêt. Où est notre taxi? Il arrive là, regarde, regarde. Là, là, là. De mon côté, de mon côté. Oh putain, j'étais perdu. Ah, merci taxi. Ok. Let's go taxi. Et le but c'est d'aller à gauche, c'est ça? Ouais. Ok. Eh bien. Et mourez. Qu'est-ce qu'ils peuvent être pénibles? On n'a plus l'âge pour ces conneries. Ah, il est beau. Ce lac n'a pas pu être formé par l'activité volcanique, ce qui veut dire qu'il a été construit comme ceci, à dessein, ou qu'un autre type de cataclysme l'a créé. Dites, vous essayez de tuer quelque chose? J'ai le sentiment de me faire insulter. Boum. 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 Remonte, fatigue vite! Hé. En fait, c'est une sorte de bateau. Et on va là pour l'instant. Et il y a des petits connards qui nous attendent, hein, si tu regardes bien. En termes de design, pour un bateau, c'est un peu n'importe quoi. Oh!
c'est un bateau Forerunner. Ah non, c'est pas un bateau, regarde, ça flotte pas. Hein, c'est... Eh ben. Ah ouais, ouais, là on est en train de planer. Hein. Mais j'ai plus de balles. Ah. Oh mais arrêtez. Bah là, l'entorche chez CR quoi. Mais comment ça se fait que j'ai pas de balles sur, dans mon pompe? Ah non, ok, ok. Mauvais arme. Attention, grenade. J'ai plus de balles moi par contre. Oh putain, c'est tellement beau. Adieu. Kissou. Salut mon pote. Oh là là. Eh bien. Merci. Ah, je vois maintenant. C'est une section immergée qui relie ces tours aux structures périphériques. Ça c'est des armateurs, je machine. Sauf si vous préférez nager. C'est vraiment nice, ce lighting. Attention, t'es prêt, Fetty ? Ah bah finalement, il fallait descendre, putain. Non, faut pas descendre, il y a un ascenseur. Oui, je sais. Regarde, t'es prêt ? Adieu ! Ah mais ils sont de mon côté, enfin de ton côté, putain. J'ai le seum. Bah, est-ce qu'ils ont pas des armes cool là? Non, ils ont rien. Ok. Attention. Et je saute. Bah. Et B. Drôle d'ascenseur, ça. Oui. J'ai intercepté une transmission cryptée provenant du vaisseau du prophète du regret à destination d'une certaine OMG Atlantis. Il s'agit c'est ça. Mais je savais qu'on était dans Stargate là. Il semble que regret ait été un peu vite en besogne en attaquant la Terre. Je vois des Goa'uld, fais attention. Prophète, d'excuser son retour si soudain car il ne s'attendait pas à la présence d'humains. C'est pour ça que leur flotte était si réduite. C'est étrange qu'un prophète soit aussi mal renseigné sur ses ennemis. Plutôt sympathique. Bah, drôle d'ascension encore une fois, mais oui, tout à fait. Alors c'est dommage quand tu repasses en vieux graphisme. Ouais. Tu peux remarquer qu'il y a des caustics. Bah il y a une meilleure chose en effet, j'ai remarqué. Tu vois, il y a des caustics et il y en a pas en version. Ouais, classique. C'est dommage. Ils ont perdu quelques trucs à cet endroit. Bah, je préfère le côté bleuté, mais ils ont perdu des trucs quoi. Moi je préfère largement le lighting de la version anniversaire que l'ancienne. Ouais, moi aussi. Mais bon, les caustics c'est dommage puisqu'on est sous l'eau et tout. Ouais.
Il est mort. Putain, on dirait des moines qui chantent, quoi. Merde, c'était fin de level, ça? Ah non, c'est un terminal. Ça a été rajouté après pour... pour distribuer la propagande de 343. Et oui. Oh merde. Bonjour, bonjour messieurs. C'est un plaisir. Ah merde, c'est-à-dire on a raté beaucoup de terminales là. Ouais, mais bon. And these relics you sought, the San Shayun, your prophets, told you that they would lead you on this great journey. C'était rajouté après. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça l'a passé. C'est toi qui l'a passé ? Non, non, en fait, tu t'es fait tuer. Ah merde. J'étais mort, donc du coup, ça. Ça marche pas dans Halo 2, je crois. Les épées contre les chasseurs. Oh, dégoûtant. Oh là là, mais t'as vu cette structure un peu, c'est incroyable hein. Ça a vraiment de la gueule. Ça ample efficace, que dire de plus. Et on dit que moi, j'ai la grosse tête. Oh là là, qu'est-ce qu'ils peuvent être pénibles. Bonjour, je te vois. Moi, je suis encore en train d'entendre le terminal, par contre. Merde. Putain, ça, c'est des gros poissons. Hein. Ah. D'accord. Et eh ben oui, comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Toujours pas sécurisé. Il en reste un à mon avis. Ah c'est bon. Je spawn. Ah, ah il est là. Bon, où est son épée à l'autre là? Là. Oh yes. Vioum. On voyait pas grand chose dans la version d'avant. Ouais, clairement. Un message hautement crypté provenant du prophète de la vérité. Écoutez ça. Votre hâte a mis en péril la réalisation de l'alliance et de notre grand projet. Non, mais regarde tous les environnements variés, mais c'est incroyable, vraiment. Tu sais, genre jouer à ce jeu, ça me dit. Ça me fait penser à quel point mon enfance aurait pu être encore meilleure. Genre. Jouer à ça pendant mon enfance, bon là on n'aurait rien vu tu vois. Bon. Ouais mais déjà à l'époque passer sous l'eau c'était une idée de ouf. Oui voilà. Attends. Ouais. Oups. Putain, il a 100. Ah tiens, peut-être lui, il en a. Ah bah non. Je t'ai peut-être tiré dessus. Ouais, bah c'est pas très sympa. Après, c'est des détails, tu sais. Ah putain, mais c'est chiant ce logo là, on le voit partout. Ah mais ils l'ont pas remis, tu sais pourquoi ils l'ont pas remis? Tu parles ancienne version ou nouvelle? L'ancienne.
Parce qu'en fait, il y a un dessin dedans, celui du haut, je crois. Ouais. Honoré. Attends, l'ancienne. Grand voyage. Non, tu veux dire la nouvelle alors. Non, dans l'ancienne, il y a une sorte de relief un peu qu'on voit dans beaucoup beaucoup de jeux Halo. Et le truc, c'est qu'ils l'ont retiré parce que je pense que l'un des logos, c'est celui de Marathon. Et donc, en fait, c'est le logo du vieux jeu de Bungie. Ok. Du coup, ils les ont pas remis sur cette version et c'est dommage parce que justement, ce côté très art décoratif, c'est très propre au design for Honor, quoi. T'essaies de me taper là. Eh ben, il a regretté, je pense. C'est mon dernier vol, chef. Je suis presque à sec. Nous avons sécurisé le premier groupe de tours. Je vais m'y poser. Appelez quand vous êtes prêts à évacuer. Ah, t'imagines ça avec des méga scans et tout. Oh là là. Mais je pense pas qu'il faudrait qu'il retouche à l'eau. Le jeu, il est très bien là comme il est. Oui, clairement. Clairement, clairement. Mais bon, pour des petits fan-made. Ah ouais. Surtout que j'ai découvert je te l'avais dit, mais une solution pour extraire les maps. Ce qui peut être en. Beaucoup de manières différentes, quoi. Bon, j'active le truc, la passerelle. Oui. Yes. Aïe. On approche du grand temple. Ah non putain, je croyais que c'était un détail, mais tu sais, elle a dit qu'on s'en va vous deux, je pensais qu'elle parlait de nous deux, mais non. De Tiff et Cortana, quoi. Dommage. Non. Ouh, allez, pète-lui la gueule. Boum. Merde. Et là, on se dirige vers le temple. Attends, je vais jouer en rafale. Oh, let's go. Pathétique. Et bien direct. Oh, mais t'as vu la qualité de cette mousse. Machallah. Ouais, je crois que c'est du parallaxe. Ouais, c'est du parallaxe la mousse. Ils se font plaisir hein, chez l'UNSC. Mais tu vois, mine de rien, avec la nouvelle technologie de Unreal, on n'aura plus besoin de faire du parallaxe. Quelle technologie? Nanite, pour avoir plein de polys. Ah oui, totalement. Genre pour importer directement les CAD des fois, parce que tu sais, des fois c'est des fichiers industriels. Ouais. Pas besoin de retopo. Non. Adam fait des trucs avec le parallaxe, quoi. On est arrivé. Là, on est en train de chercher l'index. Non, là, on est en train de chercher le prophète pour lui défoncer la gueule. Ok. Qui lui cherche l'index? Qui lui, Personne n'en a jamais vu de plus grande. Allez dans le temple et tuez le prophète du regret avant qu'il ne nous arrête. Purée. Bon bah, on va le défoncer. Là, c'est une nouvelle mission ou c'est... Non, c'est pas une nouvelle mission là, on est toujours dans le. Ok. Dans la même. La flotte Covenant a lancé plusieurs vagues de fantômes. Un sacré nombre. Pas le temps de tous les repérer. J'étais pas sûr de pouvoir tirer ma roquette. Bon, du coup là, on va avoir masse de. Hein non, c'est pas par là. T'es... C'est en dessous, attends. On va avoir des ennemis à l'infini.
c'est sympa, sympa. Putain. Aïe. I'm dead. Ok. Donc là, en fait, t'as un prophète qui flotte dans l'air. C'est bon ? Non, toujours pas, là. Non ? Je sais pas, non. Mais en même temps, il y a énormément d'ennemis. Mais de toute façon, il y en a à l'infini, en fait. Il y a toute la flotte Covenant qui débarque sur nous. En fait, normalement, tu vois, il y a un prophète. Il faut que tu grimpes dessus. Ouais. Et que tu le tapes. Ah merde, c'est pas la bonne touche pour taper. Voilà. Ah putain. Merde. Alors Halo 2, ce n'est point la même chose. Non, c'est incroyable. Mais même Halo CE, c'est incroyable. Je suis mort, fais attention. Il est mort, je l'ai tué. Ok. Mais sinon, comment ça va, Demoxy ? Mauvaise nouvelle. Non, bah je kiffe. C'est incroyable. La flotte s'apprête à tirer sur notre position. Filons d'ici. Donc maintenant qu'il est mort, la flotte Covenant dit bon bah ok, bon, on détruit tout. Et les cinématiques blur quoi, légendaires. En fait, ce qui me surprend, c'est que normalement Blur, ils font que des cinématiques trailers, quoi. Ils font pas des cinématiques aussi des courts-métrages de... Oui, Love, Death, Robot. Yes. Oui, totalement. Enfin, les, la plupart. Parasite là. Parasite qui parle. Quand on dit que 343 Industries n'arriverait pas sans Vanguard ou sans leur jeu, bah c'est un remaster quoi, ça va. C'est rien un remaster. C'est vraiment la chose. C'est ça qui est terrible, enfin, c'est que je pense qu'ils ont une bonne équipe, mais s'ils sont mal dirigés au possible... Oui, c'est clair. Mais non, ouais, c'est bien. D'ailleurs, des impératifs terribles. En fait, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à créer un bon truc. Genre à faire une mise à jour, ok. Mais à le créer, visiblement, ça galère, quoi. Bon, après la mort du prophète, en gros, les prophètes ont décidé que les élites seraient plus leur... Un hiérarque est mort, commandant. Nous tenions son meurtrier. Regarde rapproché. S'il n'a pas rappelé les fantômes. Remettez-vous en cause ma décision. Non, très simple. Je tiens seulement à exprimer mon inquiétude. J'admets que cette décision était brutale. Mais les derniers événements ont démontré que les élites ne pouvaient plus garantir notre sécurité. Je ferai connaître votre décision au conseil. La politique, quelle plaie. Arbiter, sais-tu que les élites ont menacé de partir, de quitter le grand conseil à cause de ce petit changement de fonction? Nous vous avons toujours protégé. Ce sont des moments difficiles pour nous tous. L'élimination des humains était certes satisfaisante, mais la perte de l'un des anneaux sacrés nous a déchiré le cœur. Passant outre notre douleur, nous avons continué à croire que nous trouverions les autres anneaux. Et voici comment notre foi est récompensée. Allô ? Son vent divin balayera les étoiles et guidera tous les vrais fidèles sur la voie du salut. Mais comment déclencher ce processus? Longtemps nous avons cherché celui qui pourrait nous révéler le secret des anneaux, l'oracle. Avec votre aide, nous l'avons trouvé. Avec tout
toute l'humilité qu'on lui doit, nous avons posé à l'oracle des questions et celui-ci nous a montré la clé. Vous vous rendrez sur l'anneau. Voilà une clé USB, c'est ce que je te dis. Avec, nous accomplirons notre destin. Le salut de tous et le début du grand voyage. Où est l'atmosphère? Putain, Nico, travaille chez Blur et montre-leur comment faire. C'est tellement beau. Même les élites, tu sais, ils ont des armures très elfiques, quoi. Ah, surtout l'arbiteur. Oui. Parce que c'est en fait c'est un peu une armure traditionnelle qui date d'avant l'Alliance Covenant. Ok. Et bien. Oh là là. Alors, je sais pas si tu remarques, mais dans le fond, on voit la citadelle Covenant qui est en orbite. Enfin, qui est en orbite, non, mais qui est. Putain. Oh. C'était assez discret dans l'ancienne version. Dis-toi que les cinématiques sur Halo 2 Anniversary sont déjà préenregistrées dans un fichier BIC et pas fait dans le moteur du jeu. Mais t'inquiète Demoxy, c'est notre truc à nous, ça, oui, on le sait. Oui. Non mais oui, c'est des cinématiques, c'est pas du moteur in-game, ça. De toute façon, Blur, eux, c'est toujours que ça. Hein. Full VFX, leur truc. Ils font rien d'autre. Je les connais pour les cinématiques de Elder Scrolls Online, déjà. Ils ont fait un petit peu de LoL aussi. Ils ont fait quelques épisodes de Love, Death and Robots. Et voilà quoi, c'est toujours. Ouais, ils sont vraiment toujours en avance sur leur temps vis-à-vis des cinématiques. Ouais, en plus, oui, ça c'est clair. Je remarque ceci dit qu'ils ont quand même pas mal utilisé. Je pense qu'ils ont direct importé des modèles du jeu. Et ils les ont un peu repimpés. Mais ça se sent. Non, mais se oui, sent, ça c'est normal, ça c'est normal. Totalement. Mais ils vont se faciliter la tâche autant que possible. Fatia! Mais tu sais, Demoxy, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, je sais pas, que je le vois regarder, je sais pas, par exemple le trop ou quoi, à chaque fois ils sont là en mode, ils se posent des questions. Mais est-ce que ça c'est in-game? Est-ce que. Ou bien lorsqu'il y a d'autres personnes, ah, ils regardent des cinématiques, tu vois, des cinématiques trailers, ils sont en mode, ouah, le jeu il est trop beau. Non, ça ne marche pas comme ça. Je te jure, dès qu'il y avait le cinématique trailer de Cyberpunk qui est sorti, il y avait plein de gens en mode, non mais Cyberpunk c'est incroyable, c'est trop beau. Mais, on n'a pas encore vu de gameplay. Ce n'est pas in-game, ce n'est pas béqué, ce n'est rien, non. C'est juste un rendu VFX comme on peut en voir dans un film. Ils ont vraiment fait un bon taf, là. Oh, même la version ancienne. Sympatico. Oh, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'adore. Grosso modo dans l'école que j'ai fait c'est nos bros, stop. Ah mais c'est vrai qu'on joue les élites, c'est nos bros, on joue les élites, on joue enfin l'arbitre. Putain, je me dis mais quand est-ce qu'il va leur tirer dessus pour que je puisse intervenir rapidement. Ouais, bah bref, mais en même temps tu préviens pas, hein. En plus il y a une autre sauveur, l'autre, hein. Tu merci stupide de rapace. Merci de m'avoir tiré dessus. Voilà, on affronte juste des espèces de drones, j'imagine. Ouais, déjà on affronte des sentinelles. Aïe. Eh bien. Et du coup, je disais, ouais, dans l'école que j'ai fait, on devait choisir par exemple en spé VFX ou Game Art. Et grosso modo, ça veut juste dire in real time ou bien. Mais c'est notre pote, putain. Il est avec nous. Attends. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de témoin.
Oh, c'est bon! Non, mais j'étais concentré de parler! Moi, je tue sur. Je tue tout ce qui bouge, hein! C'est notre ami! Bah, il avait qu'à pas être notre pote. Ces arbres étaient mes amis! Alors, lui, c'est un connard, par contre. Ah, bah, il a un shield. Est-ce que c'est déco? Ah, bien joué. Okay. Bah, bien joué à toi aussi. Hein. En fait, j'ai rien fait. Quand t'actives les trucs, ça explose. Il explose. Ah bon? Oh putain, regarde, viens voir, remonte à l'étage. Merde. Je rate quoi? Je rate quoi? La DA, la DA, toute la DA. C'est cool. C'est cool, cool, cool. En gros, ça, c'est un bouclier. Ah, c'est le mur. Je passe vous prendre sur la corniche devant vous. Ou tout cet endroit, tu parles de quoi? Voilà, en gros le bouclier vient de se désactiver. Au-dessus il y avait une sorte d'aura, comme une aurore boréale. Ah oui oui, le truc bleu, ouais. Et avec des quelques petits glitchs, on peut descendre en bas et... Mais non, trop de... Ah, je suis deg. Quoi? Ouais, je suis mort. Y'avait comment? Y'avait un rayon de sentinelle, mais en gold. Et bah, y'a plus dans la version anniversary. Le rayon de sentinelle gold. Mais il changeait quoi? Bah, la couleur du rayon était bleu, plutôt que d'être... Je sais pas là, si tu peux ressembler. Bah là, ton rayon, je le vois en bleu. Hein. Ouais, mais tu vois... Passe à la version anniversary. Oui, j'étais dans la version anniversary. Pardon, dans la version normale. Vas-y. Vas-y, check. Tu vois, mon rayon il est gold en fait. Bah non, j'ai pas checké. Vas-y, attends. Vas-y. Regarde. Prends-le. Putain. Tu vois, il est gold. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y a des sentinelles qui sont en mode gold. Ah, okay, par contre, okay. C'est le même skin par terre. Ah, c'est trop drôle. Intéressant. Why not? Bon, par contre, lui il commence à casser les couilles un peu. Voilà, c'est bon. Venez, messieurs. Ce sont les sentinelles majeures seulement visibles dans les zones de quarantaine. De quoi les golder comme ça? Ouais. Et en fait. On a désactivé le bouclier et en fait on est rentré en zone de quarantaine. Ok. Donc en fait on a fait une petite bêtise et on a libéré le parasite sans le faire exprès. Oh bah rien que ça. Ça va, on a l'habitude maintenant. Donc en fait la première fois c'était de la faute des humains. Enfin de la en gros un peu oh, de la faute des Covenants. Parce que puisque oui ouais. C'était les premiers. Mais ils ont réussi à reverrouiller la quarantaine. Mais nous on est arrivé derrière en mode oh là là, qu'est-ce que les Covenants ont fait et tout. Et on a. Eh B les dégâts. C'est un petit peu les Américains avec l'Afghanistan, tu vois. Salut mon pote Shuman. Genre les Soviets se pointent et nous on se repointe derrière. Et on fout la merde. Nous, je suis pas américain moi. Ouais. Ah, tu m'as compris. Not my kink. Ouais. Not my kink, but. Merde, c'est vrai que j'ai pas de lampe torche là. Et bah voilà. Ça me fait plaisir. Bon, y'a quoi? Y'a des humains là? Ouais. Ah bah il cherche aussi l'icône hein. Il nous demande de l'enlever, bah on va l'enlever hein.
Eux aussi ils cherchent l'icône. D'ailleurs c'est probablement pour ça qu'il y a autant de... Oh putain, un pompe. Vas-y. Oui. Attends, il y a deux pompes, il y a deux pompes. T'inquiète, moi aussi j'ai déjà un pompe. Ah d'accord, ok. Oh là là, le pompe dans Halo 2, oh là là là. Oh là là. Ah c'est vraiment rien. Ah bah, il est là le fameux motif. Attends, j'arrive. En fait, ma théorie tombe à l'eau en fait. C'est sympa le parasite sur cette version de l'URSA quand même. Ah bah c'est un petit peu un plaisir de l'exploser, oui. Tu sens que c'est... Pompe, il a vraiment un bruit, il fait pouf, pouf. J'ai quand même baissé les SFX. Tu sens qu'il sèche des ailes. Alors je pense qu'on peut un peu avancer. Ah, ils sont shieldés là. Non mais ils se battent entre eux donc autant les laisser faire leur merde. Merde, c'était toi. De réactiver le crâne Pignata et adieu du grognard. Bah, comme j'ai encore jamais fait le jeu, peut-être on va pas activer les crânes quoi. Ouais, je préfère peut-être les activer après pour tester, mais. Je voulais vraiment avoir l'expérience natif. Ouais. De toute façon, je pense que je reviendrai bien sur le jeu, mais je me ferai plaisir, quoi. Au moins une petite découverte sans rien, quoi. Ouais. Mais tu vois, ils ont un peu travaillé l'ambiance de cet endroit. Hein. Ah bah là. Clairement. Bah les petits coins sombres bleus là, c'est assez cool. C'est ça, tu sens que là on commence à s'enfoncer dans la merde. On aurait juste dit que c'était full poussière avant, mais là, là il y a une bonne ambiance. Ils savent comment te faire plaisir, tu vois, ils mettent les pompes et tout. Même quand t'es en mode arbiteur. Cette arme humaine est drôlement efficace. Je l'aime bien. Dit comme ça, je pense pas que ça sonne très arbitre, mais. Si un membre de l'Alliance Covenant ose prendre une arme humaine, il se considère comme un hérétique. Ouais, totalement. L'arbiteur, c'est déjà un hérétique techniquement, donc j'ai envie de dire. Oh putain, c'est beau! Oh yo! Let's go! What? Sur l'ancienne version, ils avaient déconné avec les champions. Genre hyper épais de très loin quoi. Eh bien, lorsque tu descends comme ça, tu dois pas penser à la remonter hein, ça je te le dis. Ah mais si on le remonte après.
Après, il y a un ascenseur avec des floods et... Mais attends, c'est mais t'es en train de me spoiler, là. Non, non, mais je plaisante. Ok, ok. Surtout que, bon, ascenseur... Ah oui, c'était moyen, c'était moyen. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais on était sur une sorte de grande muraille. Donc là, en fait, on est en train de descendre la muraille. Et B. T'as plus de pompe? Si si. Bon bah alors. Tu veux voir si j'ai un pompe ou pas? Ah tu me dis hein. Pourquoi perdre ton temps avec D'accord. Attends, y'a une lame là? Y'a une lame? Non, je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé, je pense. Aïe, arrêtez de me sucer! Pour Elite. Pour moi. Pour que moi. Pour moi. Sécurise, pitié monsieur, sécurise. Ah t'es mort, ok. Oui. Ah. No bro, no bro. J'ai l'impression que c'est un élite qui m'a tué, hein, vraiment. Non, arrête. Ce sont nos amis, Fatih. Non, mais oui, mais peut-être j'ai tué trop d'élites et peut-être qu'ils sont vengés. Hein. Bon, ça sert à quoi cette merde hein. Nico, je fais quoi à partir de là? Bah, tu descends. Ah, ok, merde, je pensais que c'était vitré, putain. Putain, mais je suis fatigué ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Elles sont extrêmement propres ces vitres par rapport à l'environnement. Bon, où sont mes... Bon, mes armes sont parties, je pense. Ah mais c'est par là. Il y a un petit tunnel. Ah bah c'est bon. Je sais pas trop. Je cherche les codes. Donne-moi ton arme. Merci. Ah bah n'hésitez pas à tenir et attendez. Descendez monsieur s'il vous plaît. Ok, adieu. Descendez s'il vous plaît monsieur. Merci. Que faites-vous avec cette arme, Arbiter? Tout vu qu'ils sont vraiment grands les élites, ça fait vraiment tout petit dans leurs mains. Putain, lui il est monté au-dessus là. Et coucou monsieur, la bise du Abrax et du Darix. Yo yo, comment ça va Max? Et bah fait la bise à Darix également. Comment ça va mon ref, la bise au Nico aussi d'ailleurs. Maxime te fait la bise. Ah mais la bise Maxime. La baisse et la bise. Les deux mec. Bah ça va très bien. Je m'amuse bien sur Halo 2, le jeu est incroyable, c'est beau, les cinématiques sont cool. Que dire de plus? Bah j'ai plus de munitions. Bah de toute façon c'est fini. Finito. Poupi poupi pipi poupi pop. Non, le jeu est incroyable. Ça joue à combien les trois premiers Halo? Alors le premier joue à 2, le deuxième il joue à 2, le troisième il joue à 4. Ok. Et Reach aussi, ça doit être 4, je suppose. Ok. C'est terminé l'icône sacrée. L'icône sacrée est au centre de cette zone. Nous la
faut. Pour le grand voyage. Nous allons nous faire. Ouais, l'icône sacrée, l'index, quoi. Oui. Récupérer l'icône et brûler la pourriture qui se dressera sur notre chemin. Et même pas trop chatouiller ce parasite. J'espère que vous savez ce que vous faites. Allez, let's go. Ouh. Attends, on a un véhicule en fait. Et B. N'en dis pas plus. Non mais il y a une tourelle. N'en dis pas plus. Très bien. J'avais précisé de ne pas en dire plus. Hiou. Merde. Et c'est une sorte de. De Warthog comme dans tout. Oh, la musique. Il est nul, mon élite fatigue. Je n'y peux rien. Il arrête pas de viser, il tire pas. Hop, j'ai fait un petit tricks. Le petit tricks, vous connaissez. Oh my god. Attendez, ah bien, attendez, je monte. Non, bah non. Mais pitié, les gars. Aïe. Fuck. Vas-y, mon gars. Elle est grande cette pièce quand même, hein. Oh mais j'en peux plus. Deux fois la même bêtise. Là c'est bon. Ouais les gars, j'arrive. Si tu veux pour qu'on puisse faire, tu sais, de la coop. Du coup c'est quoi? Du quoi? J'ai pas bien entendu. En vrai, vas-y. Mais je conduis. Comme tu veux. Let's go! Qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas, il faut y aller où? Non, mais la porte s'est ouverte juste à côté. Oh merde, ok. Oh my god. Oh, j'ai adoré. T'inquiète, c'est du solide. Putain, tu vois, les passages en véhicule, c'est vraiment les meilleurs, quoi. Avec la musique là? Ah oui. Alors fais gaffe parce que la sentinelle, là, l'espèce de grosse sentinelle, elle peut attraper notre véhicule. Okay, et s'en servir comme d'un ballon de foot. Ok. Donc, sauf que je suis le meilleur défense, conducteur au monde, t'inquiète. Il y a une vitre. Ouais, t'inquiète. Yes. Tu passes près du vide quand même. Hein. Non. C'est un savoir-faire, t'inquiète. Ah mais oui, j'avoue, tout à l'heure le canon dans la bouche, là c'est terrible. En vrai, je voulais monter à l'intérieur, mais... Oh bon, hey, il y a deux véhicules, Nico. Je crois que la coop se finit ici, hein. Bah si je les détruis. Non. Oh la vache. Oh ça pue. Ah c'est vraiment le champ de bataille, hein. Non. Adieu. Au revoir. Secteur non sécurisé. Ah putain, j'ai apparu.
Il peut pas tirer si je suis proche. Je te laisse capturer. Ok. Wouhou. C'est le tunnel derrière toi, je crois. Dégage ton gros canon là. Dégage ton gros canon là. Hop, Trix, retournement. Ah merde, je vais devoir me séparer de mon tank. Putain, non, va-t'en, va-t'en. Faut rentrer, Fetty. Ok, ok, t'inquiète. J'étais en train de rentrer avec mon véhicule. Non, 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 attendez. Attendez. Putain, t'es chiant. M'en fiche. J'y étais. Ah non. Non, il a disparu. Mon véhicule a disparu. Dommage. Tant pis. Quel dommage. En vrai, on peut rentrer avec les... Tu peux rentrer avec les véhicules partout dans l'O2. Oui, mais ça se voyait que je pouvais rentrer. Parce qu'en fait, tu peux casser leur... Tu peux les casser pour qu'il y ait moins de hitbox. Ouais, t'as vu, mec, j'étais en train de glitcher, là. Il me laisse même pas Nico. Rabat-joie, nique ma joie. Il faut avancer. Sauf si tu veux le tuer, hein. Ouais, oui. C'est précisément ce que je veux. Quoi, il t'a mal parlé? Bon, non, mais. Le mieux, c'est d'aller en dessous, de lui coller des petites grenades. Tu joues vraiment comme une poufiasse, toi. Ouah! Bah, moi, je suis parti, hein, du coup. Je pensais que en dessous c'était par là où j'étais, mais. Non, c'est t'as bien fait, c'est bien. Oh, casse-toi! Hein. Voilà. Qu'est-ce qui tombe du ciel là? Oh, des quelques personnes quoi. Doit être activé. Maîtriser cette éruption. Putain, aïe. Oh. Ah. Ouf. Déjà, c'est nettement plus efficace que Tiff. Mais attends. Mais. Oh. Pourquoi tu parles de format d'image? Là, je suis perdu. Oh. Oh, je me suis fait pomper la gueule. Adieu, ah, mon frère. T'es mort aussi. Ah oui, non mais. J'ai voulu le rush en mêlée, mais c'était pas une bonne idée. Il a fait. Non. Nope. Non, t'as tué mon ami, non. Ah ouais. Ah, j'aurais pas dû. Tiens, bah tu vois, moi, c'est le pont qui commence un petit peu à me manquer.
vont se faire baisser sur Halo 2 grâce aux pompes. Ah non mais... Ouf. Oh yo. Ah j'ai pris tellement tarif. J'avoue je m'y attendais pas. J'étais non, bien armé, lance-roquette, petite épée. Non, ne t'approche pas. D'ailleurs, okay, c'est bon. Une épée. Non, non, je vais mourir. Ah mais crevez. Non, en fait, j'ai l'impression que lorsque je tue en mêlée, je deviens invisible. Peut-être c'est pas le cas, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que j'appuie sur mon bouton, du coup, et je suis devenu visible. Ah, peut-être que t'as mis la même touche pour la mêlée et. Non, non. Et la torche. Vraiment, que quand tu es mort, tu. Ton corps a pris des coups de convulsion. Ton cadavre, ouais. Ah putain, mais il avait un lance-roquette, c'est dangereux. Je crois que mon cadavre commence à avoir du PTSD, tu sais. Oh, comment ça? Comment ça tu résistes à ma balle? Mais... Je passe plus de temps mort qu'en train de jouer là. Non, non, t'es vraiment exposé toi, ok, dommage. On joue en coop. Ah mais c'est toi qui a fait ça, putain. Ok, on joue en coop, on joue en coop. Mais qui détruit les véhicules. Après en vrai là, on commence à être dans une phase de véhicule, donc c'est peut-être préférable de... Oh, oh. On joue en coop, on joue en coop. Regarde Fatty, un Warthog. Attends. Putain, ils conduisent un Warthog quoi, c'est dingue. J'ai pas envie de le détruire le Warthog. Très bien. Ah si, je peux le détruire du coup. Ouais, j'arrive. Mais c'est moi qui conduis. Très bien. Mais pas besoin de m'indiquer. Par là. Eh ben non. Bute le mec de devant là, lui. Boum, voilà. Quel mec de devant? Non, vas-y. Non, attends. Il a vu la Ferrari. Ok, par contre, je pense qu'ils sont infinis, donc on va se casser. Eh ben direct hein. Poule mouillée. Pardon. Bonjour.
Non, nous ne sommes pas en train de marcher. D'autres humains, ils doivent chercher l'icône. Allez-y, Harper, je m'occupe de ces vermines. Eh bien. Mais tu penses que ça a été perçu comment hein, de jouer deux protagonistes dans Halo 2 ? Certains ont kiffé, d'autres ont pas aimé, donc. Regardez, là-haut, le parasite va passer. Ça dépend, c'est mitigé. Et toi ? Ah moi j'ai kiffé. Attends, c'était ouf. Et puis tu sais, il rajoute une couche avec parce que tu peux contrôler l'épée, tu vois, l'épée que tu pouvais pas ramasser dans le premier Halo et tout, tu vois. Ton épée, donne-moi ton épée, toi, donne-moi ton épée, toi. Donne-moi ton épée, toi. Donne-moi, je te bute. Bon. Bah, t'as peut-être déjà une épée, c'est pour ça. Mais totalement, en fait. J'ai failli le buter pour rien. J'ai l'impression que quelqu'un m'a collé avec sa grenade. Quelle grenade? Bon, je sais pas, hein, mais moi je vais mettre toutes mes grenades. Voilà. Y'a un endroit ici safe à l'abri du pathfinding des ennemis. Non, m'en fiche. Hein? M'intéresse pas. Je suis pas en tryhard là. Et quand t'es en légendaire avec tous les crânes, bah tu vois, tu te caches dans la petite interstice et tu attends tout le voyage ici. Enfin bref. N'empêche, c'est incroyable ces décors. Regarde ce que j'ai. Oui. T'as vu ces décors un peu là? Toi qui aimes bien les grands espaces. Combien de fois tu vas me le dire? Non mais oui. Non mais en fait. Mais regarde, je trouve que faire les choses en grandeur, ça montre à quel point l'être humain il est petit. Et du coup, c'est davantage époustouflant, tu vois. Oui. Genre par exemple, je sais pas si tu fais une pyramide, ok. Bien disons tu fais Atlantis, ok. Bon, vu à revue. Mais tu le fais pas mesurer 100 mètres, tu vois, de hauteur. Non, tu fais un truc genre 1 km en mode. Tu vois le sommet, mais tu vois toujours pas la profondeur, quoi, tu vois. Oui. Et tout de suite, t'es en mode oh putain, qu'est-ce qui m'attend, tu vois. Bah c'est un petit peu le manga Blame, hein. Des méga structures infinies. Manga Blame. Ouais. Et en fait t'es dans une ville infinie, tu sais, genre quand tu regardes le ciel, en fait c'est le dessous d'un immeuble en fait. Et t'as putain genre des milliers de niveaux. Tu parles de quoi? C'est quoi Manga Blame? Bah c'est un manga fait par Tsutomu Nihei. Ok, c'est un. Je croyais que tu parlais genre. Que c'est un genre qui s'appelle Manga Blame. Non, okay. C'est... Okay, le nom du manga c'est Blame. Ok. Viens là, bâtard, je t'ai vu. Ah putain, mais. Ah, la sorcerie! Il fait bugger mon. J'ai pompé l'âme, je suis tellement bien. Je sais pas si on peut dire que c'est un ascenseur. Bon, on va dire passerelle encore une fois. Bon, toi tu t'occupes des ennemis et moi je fais ma petite pause café. Tiens, attends, je vais t'aider. Hey. Pause café, tu bois du café? Non. Il m'a séché. T'es sûr, c'est pas moi qui t'ai séché? Oh putain, je suis tombé. Tu m'as fait apparaître dans le vide. Tiens, il a un pompe, je crois.
t'apparaît pas là? Yes, c'est bon, je viens d'apparaître. Il y a un pompe devant. Yes. Thank you. Je crois que c'est la fin. Non, pas après que j'ai de si bonnes armes, non, pitié. N'arrêtez pas le niveau. Derrière toi, oh, putain, il t'a poussé. Adieu. Attends, attends, je tricks. Dommage. Il t'a poussé, quoi. Il t'a poussé, il t'a emmené avec lui dans sa mort, quoi. Putain. Ça, c'est très... très movie-like, tu vois. No. C'est oui, nous avons enfin accompli notre mission. Putain, le parasite qui arrive au dernier moment. Continue sans non. moi. Gandalf. Fly, you fool. Gandalf. Ça te rappelle rien cet endroit, Fetty? Oui, le truc. Oui, le truc. La bibliothèque. Bah, tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est ça. C'est par là, Mikey. No. Bah non. Ok, ok, on prend pas l'ascenseur. Pas après un si bon niveau en véhicule, tu sais. Pourquoi prendre l'ascenseur quand on peut utiliser un câble? Votre père ne m'a jamais demandé d'aide non plus. L'index est en sécurité. Jensen. Amenez notre taxi. Marine, répondez. Jensen. C'est pas bon du tout. Jensen. Il y a l'élite en armure blanche qui va arriver, j'imagine. Ah bah non, ça c'est. Ah, il est pas venu. Seront ravis. L'icône est sous ma responsabilité. Était sous votre responsabilité. Allez, donnez-la-moi. Une fin sanglante vous attend, toi et ta race d'incapables. Et c'est moi, Tartarus, chef Krut, qui me chargerai de vous. Lorsque les prophètes l'apprendront, vous serez exécuté. Quand ils apprendront, ce sont eux qui m'en ont donné l'ordre. Donc pour ça, on avait vu en cinématique. Lorsqu'on regardait les cinématiques doublères. Ainsi que la suite avec le parasite. Du coup, je m'y attendais. T'as parlé, ça crache. Non, c'est bon. Eh B. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens punir les pécheurs. Doucement.
chair et croyance, et son esprit est confus. Tue-moi ou libère-moi, parasite. Mais arrêtons de parler. Trop de paroles. Il est tellement dégueulasse, c'est incroyable. Mais... L'installation 05. Et je suis le prophète du regret, grand conseiller hiérarque de l'Alliance. Un dépositaire, ici, enfin, nous avons tant à faire. Ce complexe doit être activé pour maîtriser cette éruption. Restez où vous êtes, je dois prononcer mon serment pour que tout fonctionne. Inexact, plus de 1,2 milliard de simulations et un tir réel ont été effectués avec succès. Vous pouvez ouvrir le feu quand vous voulez. De tous les objets laissés par nos seigneurs, il n'y a pas plus inutile que les oracles. Ils ne connaissent rien du grand voyage. Et vous ne connaissez rien du confinement. Vous avez fait preuve du plus grand mépris pour les protocoles les plus élémentaires. Ce confinement... ce grand voyage... aucune différence. Ça me fume, tu sais, j'ai l'impression que tout le monde est attaché d'une façon différente. Genre, c'est qu'une théorie, mais je vais donner mon avis. Mais genre, Master Chief, en mode, genre, il est contenu, tu vois, parce qu'il est déterminé. Et l'autre, l'arbitre, comme si c'est un pantin, tu sais, puisqu'il est confus et ben. Il a été pantin durant toute cette aventure à l'O2. Je sais pas. Le prophète, bah lui, totalement fusionné que le parasite. Enfin, je sais pas. Il y avait un plan iconique tout à l'heure où il y avait les quatre qui me fait penser à ça. Rapidement. Tu fouilleras un des emplacements probables, et toi, tu fouilleras l'autre. Le destin a fait de nous des ennemis, mais cet anneau fera de nous des frères. L'arrivée de ce parasite est inattendue et malencontreuse, mais inutile de céder à la panique. En vérité, nous devons nous réjouir. Tous les Covenants doivent se réjouir, car l'icône sacrée est enfin... T'as l'impression qu'ils ont un peu... genre un casque de samouraï. Notre passage dans les brutes. Voyage. Ah oui, oui. Et plus rien ne pourra nous arrêter. Mais en fait, les élites, il y a tout un délire autour du thème du samouraï en fait. Et vu que c'est les... En gros, c'est les armures des élites à la base. Ok. Il m'a fumé. Attends. Sécurise-toi, voilà, merci. Putain, dommage, je peux pas prendre ça. Sympa. Démon est entré dans la salle du conseil. Protégez les hiérarques. Fermez les issues. Non, je ne crois pas. Non, mais je peux pas récupérer ça. Putain. Oh, c'est marrant, j'avais jamais relevé, mais cette structure est Forerunner en fait. Bonjour! Ah putain. Eh bien. Ça en légendaire c'est dur. Faut monter là-haut? Faut faire quoi? Passage là.
Ok, non, faut non, juste faut, attendre. Faut les buter. Viens là, bâtard, regarde. Prends ta douche. Attends, fais attention, pousse-toi. Désolé. Posez-moi sur un piédestal à côté de la porte. Yes. Hop, je suis là. Hop, je suis là. Hop. Eh ben non, je suis là. Hop, je suis là. Je reste dans le réseau pour trouver vérité. Damn. Damn. Putain, oh, ça va, on est censé divertir nos viewers, hein. Le peu de le peu de regardeurs qu'il y a. Tu sais, soudainement là d'un coup il y a 20 personnes en plus, tu sais. Ce serait vraiment un foutage de gueule. Ouais. Mais heureusement c'est presque un peu vrai. Oui, c'est totalement vrai, tu veux dire quoi. Il est où le grenier qui a fui? Ouh, désolé, réflexe. Ceci faisait mal. Ah bah, je devine bien. Oh, regarde cet endroit. On est à l'intérieur de la citadelle Coffre. Oh, c'est beau. Type Covenant, hein. Il y a un truc qui a failli me balancer. Tiens, marche sur ça, Nico. Sur quoi ? Attention, capitaine, il a un sabre grenade. Il a un lance-grenade. Oh bah. Vérité est dans tous les niveaux inférieurs. Je dis marche sur la plateforme là au centre, là ici. Essayez de la voir. D'accord. Pas de danger. Attends, quand c'est fermé? Ah merde! Salut! Oh, ça me dégoûte! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Fatih? Je comprends pas! Rien! J'aimerais bien avoir une arme en fait. Ouais, moi aussi. Alors bon, faire deux piou-piou. Non, je sais quoi, c'est très puissant. Mais il y a vraiment les reflets des balles dans le sol. Ouais. Putain, c'est cool. Pouti. Ah merde, meurs. Mourez, monsieur. Oui, des petites plantes. De quoi? Où ça? Où ça? Là. Voilà, c'est tout. Eh ben, c'est bien de la merde. Je suis mort? Ok. Tu sais, il balance une grenade et je me mets, je la cherche, tu vois, je la trouve pas et je fais oh oh. Ok, c'est un snipe ça. Toi, bien, hein, t'inquiète. Yes. Merci au client. J'ai perdu mon arme. C'est pour ça que j'ai dit merci. Fils de... Oh, je te déteste.
Ignoble. Il fallait pas la laisser tomber. Alors par contre à deux, ça envoie de la purée. Hein. Boum. Putain, j'arrive pas à le ramasser. J'imagine qu'il a moins de munitions que ce que j'ai. Et que c'est pour ça. Merde. Faut que j'arrête de mettre des coups de mêlée. C'est, ouais, c'est plus fort que moi. Ouais, mais non, mais le pire, c'est que j'utilise toujours deux armes, donc... Je crois qu'il faut aller au centre de la pièce, en bas. Ah ouais. Major, grimpez. Ok. Et B. Wow. Mais c'est pas grimper, c'est descendre, là. Oh, eh. Et B. Il y a deux groupes de marines dans ce bloc. Je les localise. Et vous, neutralisez les gardes. Discrètement. Ah, désolé. Arrête de me taper. J'ai pas fait exprès. Ouais, ouais. Et t'as dit, ah, désolé. Parce que tu m'as tapé. Oui. Et ouais. Est-ce que toi t'es désolé? Non. Bah voilà. Donc d'un côté il y a un bro et de l'autre une petite ordure. Je pense que tu m'as fait trop de coups de pute pour que je te dise pardon en fait. Ouais, direct. Moi je dis c'est facile ça. La confiance est rompue. Eh ben, on est à là. Ah merde, au secours. Non. Putain, j'ai eu de la chance. Bah, faut qu'on aille c'est chercher dommage. Faut qu'on aille chercher nos bros. Moi, j'ai pas de bro, moi. Surtout pas toi. Je regarde les armes, y'a pas d'armes ici. Hein. Ici, est-ce qu'il y a une arme? Y'a pas d'armes. Ici, non, y'a pas d'armes. Bon. Ça, c'est curieux, faut peut-être monter d'un étage. Y'a des sabres grenades derrière moi. Ouais, GG. Major, allez au niveau inférieur. Mais. Les marines se sont à l'intérieur. Cortana, t'es chiante! Faut redescendre. Vraiment, ils se sont dit, tiens, on va prendre ces brutes, on va enlever leurs poils, on va les rendre plus moches, et on va en l'ennemi principal. Mais dans le 3, c'est l'ennemi principal, les brutes. Oui, bah, j'espère qu'ils sont plus beaux en tout cas. Mais tu. Oui, c'est. Ils... Et est-ce que tous les décors sont rouges? Non, mais c'est un très bon jeu, le 3. Ok. Vous avez tué un brut engagé en combat rapproché. Bah, tiens, il y a un pote. Je me souviens de encore tu sais d'une sorte de streamer corrompu jusqu'à l'os qui disait waouh c'est trop cool les marines ils ramassent les armes par terre. Encore heureux. Ouais. Alors que c'est vrai dans Halo 2 quoi. C'est vrai dans Halo 1. Oh là, mets-toi bien ici, Nico. Quoi? Là ici. Ah ouais mais moi j'utilise la carabine. Ouais mais les deux comme ça là c'est légendaire. Précision tu vois. Ouais. Moi j'ai un très bon aim donc j'ai pas besoin de précision. Faux. Totalement faux. Je suis monté là-haut, si je devais monter. Genre tes balles c'est des boules de billard. Ouais il faut... Attends. Okay. Je crois qu'il y a des bros ici aussi. Tiens ce truc violet là, oh là là. Quel truc violet? Le lighting. Ouais. Prenez des lance-roquettes! Des lance-roquettes! Enfin, grenade plutôt. Attends, j'ai une idée. Mais quoi? Mais je t'ai dit de le prendre ça! Je suis pas sûr qu'il puisse prendre des lance-roquettes. Ah non, il peut pas. Par contre, je crois qu'ils ont pris mon arme quoi. Tant pis pour toi. Bah non, je vais descendre. Il faut monter. Non, je m'en fiche, je vais descendre.
Y'a pas de ça. Je repars chercher mon arme. Je suis tombé. Bah voilà, ça t'apprendra. Attends, là t'es tout en haut là? Oui. Oh bah merde, je redescends. Mais qu'est-ce que tu cherches? Y'a peut-être des armes à cet étage? Non, t'inquiète, ici y'a toutes mes armes. Boum. Ah là là. Je fais de bêtises. Oh! Oh putain, c'est pour moi. Ah oh, il me l'a collé. Et ils sont balèzes en. En stick. Et bah voilà. Ils se sont pas fait massacrer sur Rick. Bon, je suis là. Allons-y. Allons-y, let's go. Pourquoi t'es descendu? Parce que je suis mort et donc je me suis TP à côté de toi. Ouais, pourquoi t'es redescendu? Non, merci, t'es le marine. Oh! Hey, bébé. Waouh! Là, en légendaire, il y a un crâne. N'ayez crainte, mes frères. Lui, il faut attraper. Ouh! Une épée. Une épée. Oh, ça donne envie. Hein. Elle est pas si efficace, je crois. Quand oh, ah putain, oui, c'est pas nos bros, c'est pas nos bros. Donc là, tu peux constater que. Les brutes et les élites se fight. Ouais. En gros, les élites là, ils sont massacrés en fait. Oui, on a pu voir la trahison. Ah là là, c'est dur d'être des élites de la société, hein. On dirait qu'il y a des jaloux. Ils sont obligés de se faire massacrer ensuite. Bonjour. Ah oh, putain, saloperie. Les élites n'ont pas réussi à protéger les confrères. Et ont mis toutes nos vies en péril. Que nul guerrier. Vas-y. Genre tu l'entames et tu me le laisses quoi. Bah oui, j'ai pris l'aggro. T'es drôle toi. Regarde, là j'ai l'aggro, tu tapes. Là t'as l'aggro, je tape. Bien joué, bon travail d'équipe. Eh oui, voilà, merci. Merci mon bro. Bonne fois. Oh putain, eh oh. T'as vu cet endroit un peu? C'est dingue, hein. Attends. Toi, tu regardais pendant que je tuais des gens. Merci. Mais... Putain. Mais ouais, c'est cool. This place. En fait, tu vois, c'est ça qui rend bien. Tu vois, c'est toujours tout ce qui est en grandeur comme ça. Là, regarde, le décor arrière-plan, c'est ce qui fait fonctionner la chose. Hein. Je suis désolé, ouais. c'est comme ça. Et surtout, ensuite, tu vois la ville et tu dis, mais alors le dôme. Putain, la taille du dôme, tu vois. Ouais, ouais. Puis la variation aussi, c'est important dans un jeu d'avoir de la variation pour... Oui, tout à fait. Pour voyager, en fait, tout simplement. Mais... Il s'est suicidé. Là-dedans. Dans tout l'environnement... Il a lancé une grenade, ça rebondit, ça l'a collé. Dans tout l'environnement, je ne vois pas de vert. Enfin, sauf... Le vert ouais, dégueulasse, peu... le vert jaune là-bas, mais... Bah écoute... Oh là là. Non ? Putain, il balance des grenades, mais genre, tu sais, genre en mode... pétanque, tu vois.
Encore ? Putain. Encore quoi ? Bah, je pars pas au bon endroit quoi. Bon. Terminal. Non, fallait aller à l'opposé. Oh, calme, calme. J'arrive. Sympa les vitres. La voie est large et nous marcherons côte à côte. Effectivement. Ah, par contre, ces murs là, oh là là là. J'aime bien. Oh la porte, oh le pont. C'est pas vraiment un pont en fait. Eh ben c'est pratique. Oh putain, il y a les Marines. Eh bien. C'est vraiment des grosses merdes, les brutes. Oui. Oh putain, c'est bosselé. Ouais. L'eau polyen. Putain, t'as vu cette bump qui est trop. Ils ont craqué leur slip. Ouais. C'est tout rayé. Ouais. En fait, ils putain. Ont mis tellement de bumps différents. Ah là, ça fonctionne. There we go. Eh ben direct. Eh ben. Frère de meute, levez-vous. Ah. Balayez les ennemis. Certains prétendaient que ce jour. C'est quoi ces insectes? T'as écrit à l'aide quoi. Non mais n'importe quoi. Secours. Secours. J'ai mal. Ah, il m'a séché. Eh, ils sont durs à crever ces bâtards. Voilà. Du plaisir à passer devant moi. Oui. De toute façon, j'emprunte toujours la mauvaise route et ensuite tu passes devant. Voilà, il y a deux routes possibles. Eh ben. Qui peut douter des prophètes ?
A et B. Ah, fallait servir, hein, dans le rack à épée. Putain, il est vraiment sympa le design de l'épée dans Remaster. C'est beau, c'est beau. Non, je déteste le fait que la lampe torche se ferme, quoi. Je comprends pas trop l'utilité. Quoi, je manque un petit peu de batterie pour une lampe torche. Ouais. Ça fonctionne avec une dynamo, faut marcher pour la recharger. Putain. Aïe aïe aïe. Oh putain. Ah merde. Alors cette arme elle fait plus de dégâts quand tu te tapes avec. Ok. Tu vois, c'est des couleurs que jamais je penserais utiliser pour de la sci-fi, quoi. Ouais, ce côté un peu violet. C'est que des teintes de rose et violet, quoi, tu vois. On peut très vite tomber dans le kitsch avec ça. Ah, il me l'a collé. Adieu. Il me l'a collé. Ah, il a failli te la coller, hein. C'est passé à 2 mm. J'essaie de te faire apparaître. Merci. Mais si. Je crois qu'on peut avancer en vrai. Ouais, j'ai besoin de retrouver quelques armes là. La plus grande cette porte. Ah, mon cadavre est là. T'as pris mon épée ? Non. Il doit y avoir quand même un petit peu d'armes dans ce... Oh non, là, je suis bien en vrai. Okay. Feu que l'épée en vrai. Non, merde, 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 pitié, 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 mon gars. T'es où ? Non, t'inquiète, t'inquiète.
et V. Et quoi comme arme ici? Tant pis. Il m'a poussé, adieu. D'ailleurs, je préfère l'interface du premier Halo. J'ai moins de difficultés. C'est-à-dire l'interface? Je sais pas, bah lorsque t'as deux armes, tu vois pas tes grenades, par exemple, tu vois. Ah oui. Elles sont à gauche normalement tes armes. Oui. Ah oui, t'as raison, effectivement. J'avais jamais fait gaffe. Et je trouve ça pas ouf, tu vois. Ce qui est normal, tu peux pas lancer de grenade, mais bon, c'est chiant. Bah dans le 3, les... Je sais pas si tu reconnais la pièce, mais c'est la pièce dans laquelle... Oh, il m'a séché. Je vais pas te mentir, je reconnais pas. C'est la pièce où l'arbitre il a mis sa combi pour la première fois. Ok. On voit l'intérieur. Par contre, ils sont trop forcés là. Et on est dans Doom. Putain, mais arrête de me couper en une fois, toi. Mais... Putain, le changement d'arme lorsque t'as deux armes, c'est vraiment trop chiant. Oh putain, j'ai chaud. Moi, j'ai chaud du cul. Nickel. Et à chaque fois, tu prends mes armes. J'en peux plus. Mais non, arrête. Mais si, t'as pris mon t'es épée. T'es parano, y'a des épées. Arrête, t'es passé sur mon épée. Y'a des épées. Je suis sur mon cadavre, y'a plus d'épée, ok. Et bah parce qu'elle a volé, c'est tout. Non, j'ai vu que t'as remplacé parce qu'il y avait une autre épée à côté, il y a 71. Voilà. Là y'a une épée, là y'a des épées partout. Ouais, mais c'est bon, j'ai retrouvé l'épée. Mais ton épée. Bah voilà, non, moi j'ai ton épée. Je sais que t'as remplacé. Hop, je suis encore mort. Je viens de tuer quelqu'un et il a droppé une épée. Ah oui, bien sûr. Voleur. Putain la vache. Je suis pas là. Éloigne-toi, pitié. Sécurise-moi. Nickel. Ah, il y a des ascenseurs. Eh B. Ah oui, il est mort. He's dead. Quoi? Je t'entends pas, Cortan, avec la musique! Ah bah en fait, moi j'ai rien dit! Depuis le début, genre c'est Cortana qui met la musique dans le haut-parleur. Oh là là. Non! Mais... Il a encore échangé! C'est faux! Oui, arrête, il s'est pas servi de son épée. Insupportable ce type. Non mais c'est... c'est une honte. Tu es la honte.
Et B. Et B, mon petit filou. C'est le dernier level, ça ? Avant-dernier. C'est l'avant-dernier, ça. Non, je crois pas. Comment ça ? Avant-avant-dernier ? Par contre, zéro image perdue sur ce stream. Je crois que c'est l'abandon. Bah ouais, là, on va jouer... On va jouer l'autre, là. L'arbitre. Quoique. Non, il y a encore. Ah bon ? Oui. Surprenant. Espérons que ça crache pas. Moi, je n'en sais rien. Si ça crache ou non. Eh ben, ça n'a pas crash. Tiens, heureusement qu'il y a des armes qui traînent partout. Mais tu vas comprendre pourquoi. C'est beau! Les petits frises du début de niveau. Non, c'est cool. Ouais, c'est sympa quand même. C'est sympathico, sympathicoche. Merci! Bon, là on comprend que les élites se sont fait marrer par les brutes. Oui, il faut punir! Adieu mon frère, prends mon épée. Avec plaisir! Ça va, je suis RP ici. Merde, t'as encore eu. T'as vu, regarde. Chaud, froid, chaud, froid. Chaud, froid, chaud, froid. Qu'est-ce que tu racontes ? Genre, tu sais, c'est rouge et bleu donc. Ah, ok. Tu réchauffes puis tu refroidis. Ouais, t'aurais pu ne rien dire et... Ça aurait été aussi cool. Je vous demande pardon. Chaud. Alors, tropico. C'est nos bro. Arrête. Attends, je vais prendre son épée. Ils ont fait couler le sang de nos frères. Quoi, ils ont fait couler le sang? Ah non. Oh c'est non, nos attends, frères, attends. Bravo pour la discussion. Bon. Je lui ai donné la mauvaise arme, tant pis. C'est nos bros. On ne tue pas nos bros. Oh, c'est dur. Mais ça c'était pas notre arme, mais c'est toi qui vas tuer. J'ai plus envie de jouer. J'ai le mauvais réflexe. J'ai plus envie de jouer. Vas-y. Ah ouais, ça c'est un bro ça. Mais t'étais gris, genre, je sais pas. J'étais gris. Karma, c'est ça ? Tu t'es fait karma ? Possible. Ah, j'aime ça. Non, mais en même temps, il court comme ça vers moi. Arrête de tuer nos bros. Oh mais non mais... Les ennemis et les alliés sont au même endroit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Vas-y, je vais tous les tuer hein.
comme ça, y a pas de jaloux. Mais arrête de tâche de... Ok, les brutes ils sont vraiment débiles dans ce jeu par contre. Gros, il m'a dash trois fois dessus, et parce que je ne m'envolais pas loin, il continue de dash. On est revenu avant que je te tue, je crois. Oh. Donc il s'est rien passé. Ouais. C'est juste un semi immense là. Vraiment, regarde le camp, si tu t'envoles pas loin, il te dash trois fois dessus. On est potes, arrêtez de me tirer dessus. Mais il est pas pote, c'est pas un pote. On les tue, on tue tout le monde, vas-y. Non. Oh, lui je l'épargne aussi. Mais c'est fini, hein, j'épargne plus personne. Rien à foutre. C'est nos bros. Mais je m'en bats les couilles. Ah, ces petites saloperies là. Regarde, tu as entendu ce qu'il a dit? Non, j'ai rien entendu. Il a dit on est avec vous. Hein, j'ai rien entendu, j'ai rien. Rien entendu. J'en ai rien à foutre de leur gueule. Moi j'en peux plus. C'est bon, on est avec vous. Ensuite ils te mettent des balles dans le cul. Ouais, c'est bon, je connais ça. Je connais cette théorie du on est avec vous. Ouais, ça marche pas avec moi ça. Arrête de me lâcher dessus, arrête de me lâcher dessus, arrêtez. Bon, c'est bon, je voulais bouffer ça. Hein. Arrête, je suis en dessous. Non, tu me racontes n'importe quoi. Moi j'étais au tout dernier niveau. Tu vois, moi j'étais en dessous. Alors, pourquoi je dois arrêter, hein? Expliquez-moi, monsieur. Hop, je vais ramasser cette. Et ça, voilà, c'est bon, c'est Tipar. Mon dieu, tout c'est mort. Oh non, je suis tellement triste. Si c'était pas les brutes qui les avaient tués, c'était moi qui les aurais tués, je te dis. Hein. Le scénario là, oh putain, bien joué. Oh, fais attends, tiens, en échange, quoi, tu m'as filé quoi? Non, je dis, donne-moi ton épée. Donne-moi ton épée, toi. Donne-moi ton épée. Voilà. Oh. Oh yes, de la musique. Moi je vais buter tous les brutes que je vois. Aïe. Je suis désolé.
Mais pourquoi les prophètes ils ont décidé de trahir les élites? Parce que en gros les élites ils ont échoué à protéger le prophète du regret vu qu'on l'a buté. Donc du coup ils ont considéré que c'était des... Ils étaient inaptes au grand voyage. Eh ben. Il en faut peu. Mais en vrai, j'aurais pas été surpris que c'était une manœuvre. Que ça soit une manœuvre. Quel type de manœuvre ? Pour se débarrasser du prophète du regret et des élites en même temps. Eh ben. Quand ils pensent, les hérétiques qu'on a tués au début du jeu, c'était des élites au final. Donc il y a peut-être eu une strate politique pour se débarrasser des élites. C'est sûrement le cas en effet. Bonjour. Ah putain, il a un pompe. Bah, je vais me faire une joie d'en profiter. Pas très efficace en fait. Ah, il m'a eu. Ah, t'es dans l'armurerie. Ok, t'es sûr que tu veux passer sans... Passer sans quoi? Sans ramasser. Ah, cette musique. Putain, mais pas toi. Pas toi non plus. Toi. Voilà. Ah putain, t'as pris mon lance-roquette? Non. Mais le lance-truc quoi. J'ai dit non. Le truc jaune? Non. Arrête, il était là. Mais j'en peux plus. Non mais Nico, tu te fous arrête de ma gueule. Arrête de m'accuser tout le temps. Non mais Nico, tu te fous de ma gueule. Non, regarde mes armes. Vas-y. Il est dans ta main. Non mais non, il y en avait un autre. Comment ça? Bah t'as dû le ramasser, t'as ramassé les munitions, donc il a disparu. Ah là j'ai ramassé les munitions. Non, tout à l'heure j'avais pas les munitions, je t'assure. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je te jure, tu regarderas sur ma VOD. Ah oh là. Putain, mais ils sont durs à crever. Hein. Ah ouais, ils sont très durs. Oui, c'est bien aussi. C'est très bien aussi. Attends, mais c'est un ennemi ça? Oui, ennemi. Ennemi derrière. Ah, Forest Pack. Les anneaux, arbiteurs, les conseillers, qu'est-ce qui... Assassinés par les brutes. Sauvages. Les prophètes n'auraient pas dû leur faire confiance. Pourquoi il travaille encore la meuf? Parce qu'en fait, il y a que les humains qui peuvent utiliser les installations Forerunner. Ok. Pokiflower 63377. Pokiflower 63377. C'est bien ce qui me semblait, c'est pas l'avant-dernière mission. Là, c'est l'avant-dernière mission. Ok. C'est sûr, les brutes paieront pour le sang qu'ils ont versé. Vous avez battu le temps indiqué dans la révolte. Putain, j'ai tellement tracé. Première fois que j'ai le succès de battre le temps.
il allait où ? Sur Terre, en finir une fois pour toutes. Et cette fois, il n'y aura aucun survivant. Oui, ça fait 2 heures qu'il est là, tu sais. Cette structure au milieu de la ville, c'est un vaisseau Forerunner. Et le prophète se dirige droit dessus. S'il envoie la flotte Covenant sur Terre, nous n'aurons plus aucune chance. Il faut l'en empêcher. Cette brute a l'index, ainsi que Miranda et Johnson. Il peut activer l'anneau. Dans ce cas, je ferai sauter les réacteurs du In Amberclad, comme pour le Pilar. Cela détruira la ville et l'anneau. Pas très original, mais on sait que ça marche. Non. Il faut quelqu'un pour déclencher l'explosion. Je dois rester ici. Eh bien, ça s'arrête brusquement la cinématique. Je pense que c'est parce que Blur avait pas envie d'animer le parasite. Ils étaient en mode non, pas encore. Ah mais c'est que c'est pas facile à faire techniquement les parasites. Bah ouais, tu m'étonnes. Une sorte de truc mou comme ça. Hein. Ouf. Eh oh, oh, tu arrêtes? On doit y aller par la porte? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui peut être pénible? T'en as pris du saucisson quoi. Ah bah il faut bien. Technique du couteau de salle à manger. Technique du planche à pain. Technique de la planche à pain. Donc ça c'est le mêlée qui fait mal tu me dis? Oui. N'en dis pas plus. Arrêtez, monsieur. J'espère que ça les ralentira. Rapprochez-vous, je vais vous en coller. Allons nous laisser le parasite détruire notre ville sainte. Transformer grand comté, voyez la révélation. Oui. Oui. Mais j'ai pas pu l'emprunter moi le chemin. Ah c'est bon. Mais mytho. Non mais je vais te faire mal toi. Ouais tellement efficace. Oh là là. C'est pas par là. Saloperie. Aïe. Ah, l'ambiance est un peu en train de changer. OMG. OMG, on a de nos longues torches. Oui. Non, cette musique de fond. Ah, il y avait un grenier, il bougeait pas, il est. Les armes brutes, c'est de la merde. Hein. Ah, crève. Crève, ordure. Oh putain, regarde-moi cette gelée. Délicieux. Putain, ça donne envie de retirer son casque pour la licher. Hein. Ah oui, hein. Ouais, je vais en mettre dans mes narines là.
Oh là là. Je suis mort par une caisse qui m'est tombée dessus. Oula, oui, en effet, des moxies, oula. Je voulais juste ramasser une arme tranquille, tu sais, me poser, me relaxer, dans cet endroit très, très charmant, apaisant, amical. Est-ce que tu réapparais, bordel? Putain, il se relève. Abandonnez-moi. Non! Abandonnez-moi. Jamais! T'es là? Ah oui, c'est mon dieu. Oui. Bon. Attends, je retourne en arrière. Aïe. My bad. Les systèmes de sécurité sont vraiment balèzes dans ce secteur de la tour. Bon. Lance-roquette. Non. Lance-roquette moi. En fait, je me sers d'un sabre grenade pour les taper. Ah putain, t'as vu, il y a des tentacules qui des... Laissez pas tout seul. Ah, je vous abandonne. Adieu. Non. Oh. Bah alors. Non mais c'est moi qui appuie sur le bouton, t'inquiète. Ok, merci. Ok, sans. Putain, il... peut pas aller un peu plus vite, la sœur? Attends, monte sur moi. Fais la courte échelle, vas-y. Ah, dommage. Arrête de me foncer dessus, toi, mec. Tiens. Ah, il m'a énervé. Oh, les brutes, c'est vraiment... Débilus Totalus. Bah, ils ont vu ça, ils ont fait « Oh, mais bien sûr !» Vous suicidez maintenant. On va en mettre mais... dans tout un jeu. Non, mais encore, je crois pas que dans Infinite, ils chargent comme ça, non? Mais t'ouvres la porte. Putain, ça a pas l'air très accueillant. Putain, par contre, le sol... C'est une porte là. Je ne peux pas retarder la séquence de lancement plus longtemps. L'ascenseur vous mènera en haut du conduit. C'est quoi ça? Attends. Mais c'est cool, attends, mais pourquoi vite? Regarde, elle est cool cette salle. Oui, elle est cool cette salle. Eh ben. Retiens-la bien. Ah, ok. Parce qu'on la reverra. Ok. C'est du cube map. Du cube map. Comment ça, du cube map? Je sais pas moi. Cube map, c'est comme une environnement map mais en cube. Les moteurs du vaisseau Forerunner comme source d'énergie pour la ville. Le navire ne décolle pas. Oh putain, je adieu. Et B. Ah. Putain, j'ai vraiment pas d'armes. Continue d'avancer, Fatih. Non, j'ai pas d'armes. Avance. Bon, on va avancer. Avance vers le vaisseau Forerunner. On va avancer. Hop. Vous connaissez le plan. Vous devez arrêter Vérité. Je m'occupe de l'index. Vite. Voilà. À part que le cube map, c'est une réflexion statique du BSP. BSP.
C'est quoi BSP? Je sais pas. Je sais ce que c'est qu'une cube map, je sais ce que c'est qu'utiliser une cube map pour de la réflexion, mais je sais pas ce que c'est que du BSP. Je sais ce que c'est statique, je sais ce que c'est que réflexion statique. Cube map, j'en ai jamais entendu parler jusque là. Mais bon, enviromap, en cube, ok. Mais si, en fait, c'est ce que fait les reflection props. Tu sais. Oui, oui, non, mais j'ai compris le principe. Ok, dernière mission. Et du coup, tu me parlais des réflexions sur le matériel, sur tout ce qui est matériaux, là. Tu vois, enfin, sur quand je regardais le truc vert, là, ça, le sol vert. C'est pour ça que tu parles de cube map. Unreal aussi, il utilise des cube maps pour faire les environnements textures, les HDRI. Ok, je vois comment ça fonctionne. Mais j'ai pas de logiciel pour faire ça. Ça me saoule. Où sommes-nous? À l'endroit où les conseillers voulaient assister. Alors, BSP. Du coup, partition binaire de l'espace. Binary Space Partitioning. Système utilisé pour diviser l'espace en zones convexes. Les cellules sont disposées en arbres binaires appelés arbres BSP. Cette structure de données facilite certaines opérations. Elle est notamment intéressante pour le rendu 3D et donc utilisée pour la gestion des graphismes de certains jeux vidéo. D'accord. Ah, j'avoue, ça m'éclaire pas plus que ça. Dessin. Non. Bon, on la joue coop ou... Ah oui, regarde. Ok. Non, mais je prends ça et tu montes à l'arrière, voilà. Coop. Ouais. Non, pas par là. Par là. Attendez, montez, monsieur. Montez. Voilà. Coop. On ne va rien dire. Bah, comme. Non, mais il faudrait que. Ouais, je regarde peut-être une vidéo, je comprendrai rapidement. Dit comme ça, c'est assez dur. Peut-être même que je connais, que nous connaissons, mais. Non, je pense pas. Je sais pas. PSP comme ça. De toute façon, en vrai, on vous apprend. Enfin, on vous apprend pas de la tech. Non, clairement pas. Non, nous, c'est full. Visuel environ. Même sur Unreal, on a quasi rien foutu. Là. Même pour leur projet de game art, etc., ils ont des persos rigués, etc., tu vois. Ouais, puis tout est mâché, généralement, quoi. Quand il y a de la tech, quand il y a quelqu'un qui s'y intéresse, mais pas. Oui, c'est ça. Parce que... Moi, ça m'intéresse beaucoup la tech. J'avoue, moi, c'est vraiment pas mon dada, quoi. Mais je t'avoue que je kifferais aussi développer des mods sur l'eau. Je pense. Aïe. Adieu. Oh putain, le bro. Ah oh, putain. On est mort. Ah. Notre pote qui monte pour nous sauver. Non. Ah, j'étais déjà mort, je me suis fait écraser. Cette musique est trop bien. Non, ouais, elle est adorable. Adorable, la musique. Ouais, c'est parce qu'en même temps, sur le chat, enfin, Demoxy, il a écrit vous allez l'adorer, et du coup, ça m'a trigger. C'est comme ça, hein. Le cerveau humain. C'est une petite musique xylophone, genre. Du coup, Demoxy disait qu'on allait adorer. Enfin, qu'on va kiffer lorsqu'on va faire son mode à l'autre. Hein. Ouais, déjà, il y a une phase de tuto parce que j'ai pas trop compris comment installer des modes sur l'eau. Même si j'ai très envie de le faire. Non, mais sur Steam, toi, ce sera facile, tu vois. Bah, je sais pas, hein. Ça marche pas avec le workshop, hein, je crois. Non, t'inquiète, c'est juste que tu le mets dans un dossier, quoi. Peut-être. Non, vraiment pas. Attends, lui c'est notre pote, hein, on est d'accord. Mais oui, c'est notre pote. Je sais pas, j'espère que tu le flinguais. Ah, vous faites moi les malins, hein. Boum. Un saloperie. Et voilà. Tiens.
Ouh, je vais mourir, je vais mourir. Ah non. Ok. Oh. Notre pote est mort. Tu ne tires pas. Tu ne tires pas, vas-y. Non, mais je peux pas tirer, moi. Vas-y, descends, descends, putain, descends. Oui, je descends, t'inquiète. Attends, y'a pas un autre véhicule? Non. Y'a rien? Putain, merde. Tout ce que vous devez faire, c'est remplacer un fichier, c'est tout, mais faut pas oublier de faire un backup. Ouais, classique. De toute façon, comme c'est censé remplacer un niveau du jeu, j'imagine que c'est normal. Mais je sais que sur Steam, il y a deux versions de, du launcher, avec anti-cheat activé et une autre sans... Ah, moi j'ai l'anti-cheat, mais je sais pas. Normalement, il y a deux versions justement pour les mods. Surtout qu'il y a des mods qui ont vraiment l'air trop stylés, genre typiquement la forge dans Halo 3, en mode campagne. Ça, ça a l'air quand même plutôt stylé. Il y a des mods Skyrim qui m'intéressent beaucoup. Genre vraiment, en gros, c'est des mods qui changent tout ton jeu, tu vois. T'as un autre scénario, etc. Ah ouais? Putain. Ouais. Genre, c'est possible genre de mettre des nouvelles maps? Ouais. Bah, déjà, j'avais déjà des mods où j'ai des compagnons, en plus ça me rajoute des donjons, etc. pour les compagnons, tu vois. Des compagnons full voice. Genre, il y avait quoi? Il y avait Nico. Nico, le Khajiit. Mais je pense qu'il faut. Il faut récupérer une version du moteur qui permet de faire. Salut mon pote! T'es où? Je suis mort. Ah, ok. Faudrait que je m'y penche. Je sais que c'est compliqué parce que. Il n'y a pas beaucoup de. Fait. Pas beaucoup de tutos, on va dire. Bah, déjà, plus le jeu est ancien, plus c'est dur. Ouais. Truc à savoir. À part ça, voilà. Il y a beaucoup de développeurs maintenant qui te donnent de quoi faire des mods. Ouais. Par exemple, il y a Larian Studios pour Divinity Original Sin 2. Ils ont donné leur engine, rien que ça. Du coup, tu peux créer des maps, etc. Et ensuite, bon, après, tu vois, faut savoir quand même se servir du engine comme Unreal, tu vois. Donc, il faut l'apprendre, etc. Et ensuite tu crées des maps, des modes, etc. Et derrière, par exemple, tu crées ton aventure en maître de jeu et tu mets tes maps, tu vois. Ouais. Typiquement, genre créer une nouvelle arme et tout, on pourrait s'éclater à faire des modèles 3D d'armes avec les textures et tout le bordel, tu vois. En effet. Ce serait quand même l'intérêt d'un 3D artistique qui peut... qui peut vraiment créer du contenu de toute pièce, là où un modeur va avoir tendance plutôt à pimper et repimper des trucs existants ou à modifier certaines règles. Je vais pas t'accuser. Est-ce que t'as trouvé une épée quelque part? Non. Ok. Okay, c'est ça, le bon, c'est le bon. Mais toi-même tu lui as tiré dessus. Attends, il faut casser les... Il faut libérer nos potes. Attends, mais y a pas de potes derrière. Ouais, bah je sais pas, je casse quand même. Là, t'as vu, c'est des cash for honor. Bref. Ah mais attends, mais c'est des cash for honor. Mais avec un... une barrière comme non, tu penses? Mais je pense qu'ils sont venus, ils ont taffé par dessus quoi. Bonjour. Eh bé, comment ça se fait que je dois pas tuer les humains? Ah, je suis tombé, adieu. Ah mais je suis genre littéralement en bas, genre... Eh oh. Mais comment ça se fait qu'on doit pas tuer les humains?
t'assure que c'est réciproque. Mais si on ne fait rien, cet abruti va activer l'anneau. Et on va tous mourir. Tartarus s'est barricadé dans la salle de contrôle. Ça tombe bien. J'ai justement la clé. Allez, prends un banger et couvre-moi. Tu ne comprends pas qu'on arrive. Bah, il suffit de me dire où sont les Banshees et je viens avec plaisir. Ils arrivent chronopost recommandé. Amdoulilah. Amdoulilah, franchement, on a des vrais bros. Ah, le jeu, c'est de faire plaisir à une petite phase en Banshee. Pas de problème. T'as peur, Nico ? Un peu. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je ne vais pas te buter. Je ne mens pas tout de suite. Tu vois, j'adorerais modéliser un véhicule de toutes pièces et pouvoir l'importer et tout. C'est vraiment trop le feu, quoi. T'as les problèmes de compatibilité aussi, vu que c'est un peu ancien. Non, en fait, plus ancien, comme je t'ai dit, plus c'est problématique, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense dans Infinity, tu vois, si te donne déjà quelques moyens de modder leur jeu, ce serait possible, quoi. Dans Halo Infinite ? Oui. Mais tu rêves. Ils en ont rien à branler. Dommage, hein. Dommage pour eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du fric avec le multi. Ils en ont rien à branler que la communauté fasse quoi que ce soit. On doit y aller où ? Non, je reviens. En gros, faut attendre que le Scarab il aille tout au bout. Ok. Pour qu'il puisse détruire la porte. Oh, mais t'as pris ta rift, toi ? Mais non. Ah bon ? Arrêtez, monsieur. Ah, c'est beau, hein. Putain. Ah, il m'a bien niqué. T'es mort ? Non. Mais de rien, c'est complet de faire un véhicule. T'as l'animation, la modée, les différentes phases de destruction. Le design. Le design aussi, ouais, c'est vraiment un gros boulot, quoi. Ouais, pour vraiment faire un truc clean et tout. Oui, la logique derrière. Après, pour tu vois. Tu peux t'inspirer de. Franchement, pour la logique, tu deviens un game designer, quoi. Parce que tu dois te dire, ouais, mais là en fait, cette partie là doit servir à ceci, à cela. Bon, toute la chose logique, quoi. Je vais me poser dessus. Ok, le Scarab il est bientôt. T'inquiète. Mais non, mais je savais que t'allais esquiver vraiment. Non, tu savais pas. Ah, si. Bonjour messieurs, je peux vous aider ? Et cet acte de trahison là ? On en parle ? Arrête-toi s'il te plaît. Ah, toi, connard. Merci. Attends. Monsieur. Allez, let's go. Non, ça va pas le faire. Non, si, ça peut le faire. Non, ça va pas le faire. Si. Non. Ok, il a ouvert la porte. Allez-y sans moi. Hein. Je deviens sous. Tu vas te TP de toute façon. Oh, ouais, c'est ce qu'on dit. Sauf si je me jette dans le vide avant. Ou tu meurs, si, ça marche. Non, j'imagine que c'était un bug.
j'imagine que c'était un bug parce que j'étais censé monter dans le Banshee qui est arrivé. Mais ça a déconné et... Oh putain, elle est belle cette salle. Ouais, attends, je passe direct en dessous comme ça, je vois rien. Mais c'est pas très sympathique de me tirer dessus, monsieur. Merde, attends. Tiens, et boum. Par contre, j'ai vraiment plus rien. Bon, je me concentre. J'arrête. Je vous promets. Oh, il m'a tué. Je vous promets, j'ai dit, ah, putain, je suis fatigué en fait. De toute façon, ouais, j'ai mal dormi. Aussi, okay, c'est pour ça. Ouais, j'ai mal dormi. Ouais, sinon, moi aussi, j'ai très mal dormi en vrai. C'est pour ça, t'inquiète. On est juste pas dans notre assiette là. Après, ça, on a quand même joué beaucoup là. On est à 2h30. Adieu. Je regardais pas mon écran aussi. Ah, oh. Mais c'est le fusil à pompe, il nous sèche là. T'inquiète, c'est bon. Je suis concentré. T'inquiète, regarde, je suis pro gamer maintenant. Quand je dis ça, le bandeau que t'as sur les yeux, non, je viens d'allumer mon écran encore une fois. Mais je me demande si, à mon avis, peut-être les mods sont pas compatibles avec les versions anniversary. Non, je pense qu'il l'a fait pour anniversaire. Putain, la tarte, mais arrêtez! Ah, peut-être plus pour Halo 3 parce que. Je déteste les brutes, c'est vraiment infâme. Adieu. Oh. Non mais c'est tellement débile, genre ils ont des armes, ils les posent, ils te foncent dessus. Ça a l'air de marcher on dirait. Il y a des modes sur Halo 2 comme sur Halo CE. Ouais mais anniversaire ou... Bah anniversaire, je sais pas, le moteur à mon avis il est trop récent pour qu'il y ait une armée de modeurs qui... Ah non, comme ça récent... C'est pas récent anniversaire. Bah par rapport à Halo 3, il est quand même très récent. Hein. Ah mais t'es caché, faux merde. Ah oh. Salut mon pote. Oh non, c'était la fin en plus. C'est la fin? On regarde la cinématique et c'est tout? Ah non, il y a un truc à faire. Il y a un boss à faire. Ouais, oh non. Ouf, t'es de ma gueule. Bon vas-y, on rush. Hit-moi et on rush. Le mode anniversaire est compatible. Ok, ça marche. Non, c'est chiant. J'aurais même pas de crâne. Est-ce qu'on active crâne munition infinie? Est-ce qu'on a besoin de recharger? Ok, ouais, active alors. Si on peut recharger, ouais, c'est bon. Ça fait pas trop cheater. Attends. Ça se saoule. Hein. Attends une minute. Tout ça, si vous continuez, vous perdrez. Vous... Ah ouais. Non, c'est bon. Prends, il y a la sauvegarde, mais garde alors. N'active pas de crâne. Si on a une progression, d'active rien, ne change rien, comme ça on continue. Ah merde, putain, non. Quoi? T'as fait quoi? Bah j'ai fait reprendre en pensant naïvement que j'allais reprendre, mais en fait non, ça recommence depuis le début. Et t'es pas okay, avec moi. Dommage. Bah parce que tu m'as pas invité. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas, on va relancer les amis. Oh là là, au dernier moment quoi, mais n'importe quoi. Ok, je te réinvite. Ah, c'est dommage hein. Bon, ça va hein. On va faire une petite session de 3h pour aujourd'hui. Le temps de refaire le level et puis le dernier niveau quoi. Je t'ai invité. Putain, je te retrouve mon raccourci. Ma G. Windows 2G. Ok, merci. Je sais pas pourquoi, mais le jeu décide de ne plus me l'afficher.
Let's go, hein. Vas-y, lance. Let's go. Faudrait qu'on enlève le crâne dès qu'on a fini le level. De toute façon, c'est le dernier, hein. C'est le dernier ? Oui. C'est la fin du jeu. Je croyais qu'on était dans l'avant-dernier, en fait. Mais attends, t'es... Mais oh, merde. Je me sens mal. Je suis en train de tricher, les gars. Pourquoi ? Je vais tricher pour le boss final. Mais tu sais, t'as même pas besoin de tricher, hein. Il y a une solution pour emmener un véhicule directement dans la salle du boss. Et après, tu pousses le boss dans le vide. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Je vous remercie, monsieur. Hop. Après, c'est un petit... Oh putain, pourquoi mon arme est buggée comme ça? D'accord. Je suis le dire de descendre. Non mais putain, mais mon gars. Mais attends. Ouais. Prends l'apparition. Quoi? Oula, enfin, j'en prends deux véhicules, comme ça on sera plus performant. Ok. De toute façon, moi je trace, hein. Ouais, en fait, ouais, pas faux. Vous avez les crânes telles que bandana et autres ayant un multiplicateur 0. Ça fera que vous n'avez aucun succès ou que cela ne fera valider la mission. Ne fera pas, ok. Après, c'est pas grave, hein. Je vais pas te mentir, je m'en bats les couilles des succès ou quoi. Et du coup, en fait, avoir un multiplicateur 0, ça veut dire. Merde, faut les tuer là. Oui, c'est mieux. Putain, il est descendu, le con. Putain, tu peux bourrer avec l'apparition, c'est un truc de ouf. Vas-y, je compte sur toi. Ok, je crois que c'est bon. Il y a un glitch aussi pour prendre possession d'un chasseur. Mais il est vraiment difficile à faire. Alors on peut peut-être rusher en se mettant invisible à certains endroits. Je suis pas là. Putain. Oh, je suis tombé dans le vide. Oh merde. Bien joué. Tu l'as touché, il a fait. Pardon. Continue d'avancer, vas-y. Ne te retourne pas. Putain, ils sont qui m'ont envie de sauter. Allez, ça va passer. L'un des problèmes dans ce jeu, c'est qu'en fait, quand tu rushes, ouais. T'as moins de points de contrôle. Ok. Donc des fois, on peut avoir de très très mauvaises surprises en rushant pendant 10 minutes et perdre toute la progression. Oh, c'est pas grave. Ah, ça s'ouvre pas. Tiens. J'avoue, il me faut une épée en fait. Ah bah lui là. Ah. Monsieur, s'il vous plaît. Votre épée. Attendez, monsieur. Votre épée. Merci.
Voilà. Merde, en plus je le tape derrière. Ah, ça fait pas du bien, hein. Non, 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 pas ça. Ça, ça... Non, pas ça, putain. Je vais le trouver. Voilà. C'est bien l'épée aussi. Oui, t'inquiète, mais je garde l'épée également. Au cas où si on rencontre des difficultés. T'as toutes ces portes. Désolé. Aïe. Oula. Adieu. Adieu. Je t'ai tué. En fait, il m'a collé. Il m'a collé, j'ai foncé vers toi, genre en mode au secours, aide-moi, aide-moi. Pourquoi tu fais ça? Mais. Je pensais que la portée allait être assez grande. Putain, je vois avec un débilus aussi. Ah, let's go. Ouais, là on va devoir vraiment détruire ce qu'il y a sur le chemin parce qu'il s'arrête pour les tuer. Et donc du coup il perd du temps. Donc le mieux c'est de tout dégommer. T'inquiète. Ou alors, attends, je peux peut-être. Bonjour, 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 merci. On a bien nettoyé là. Ouais, c'est pas mal. Quel heureux hasard qu'il y ait des banshees au niveau du sol. Putain. Mais non, malheureusement je ne le connais plus. Nice, tant mieux, ça permettait directement d'accéder à la salle où on était. Ouais, tu tournes la gueule, trop le Nico. Bah écoute, je vais essayer, mais il y a un endroit où il faut se positionner. Je sais pas s'il faut forcément avoir le spectre ou pas. De toute façon, il arrive. Tant pis. Écartez-vous de la porte. Tu vois, on sent que c'est fait à la main là, la modélisation. C'est pas bien régulier. L'eau déconne pas mal. Au loin. Ouais. Notez qu'il y a quand même les reflets du rayon de scarab dans l'eau.
C'est bon ? Screen space. Non, toujours pas. C'est bon, je pense que c'est bon. T'es sûr ? Ah non, c'est pas bon, c'est bon, non. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, let's go. Vas-y. Non, je peux pas. Ah, si, 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 faut aller vers le haut, vers le haut. Ok. Ah. Vas-y, vas-y, tu peux le faire, c'est possible. Non, 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 juste essaye d'y aller en mode normal. Ok, ah ouais, ok, ok. Vas-y, continue, continue. Je t'ouvre la porte. Merci. Je t'en prie. Ben alors, ben alors les brutes. Attention à toi. Et boum. Allez, c'est simple. Prends l'icône et fais ce qu'on te dit. Un peu de respect. Ne brusquez pas le dépositaire. Encore un mot, oracle. Je t'arrache ton bel œil tout bleu. Ce qui n'est rien par rapport boom. À. Boum, vous avez tué sans au brut. Grand malade arrête, comme succès. Arrête. Merci. Désobéir au hiérarque. Les hiérarques ne savent pas vraiment ce qu'est Halo. Attention, arbiteur, ce que tu dis est hérésie. Ah oui. Oracle, quel est l'objectif de Halo? Simultanément, laissez. Plus un mot. Hé, il secouait pas l'ampoule. Si tu veux t'en sortir en bon état, tu devrais leur dire de se calmer un peu. Vas-y, tu peux continuer. Que sont les anneaux sacrés exactement? Des armes de la dernière chance, construites par les Forerunners pour éliminer les formes de vie pouvant abriter le parasite. Et ceux qui ont créé ces anneaux, qu'est-il arrivé aux Forerunners? Une fois toutes les autres options épuisées, mes créateurs ont activé les anneaux. Ils ont péri, ainsi que toute forme de vie dans plusieurs galaxies alentour, comme prévu. Voulez-vous avoir plus de renseignements? Tartarus, les prophètes nous ont trahis. Non, arbiteur! Le grand voyage a débuté. Ce sont les brutes et pas les élites qui escorteront le prophète. Ah là là, les brutes, c'est que des rageux, quoi. Oui. Là là là, je vais vous tuer là, je vais vous tuer là, je vais vous tuer là. Je suis tombé. Non. Adieu. Donne-moi ton arme. Donne-moi. Monsieur, pitié. Pitié, mon gars. Tiens, donne-moi ton arme. Non, attends, donne. Voilà, merci. Oh, rapproche pas trop ce marteau de moi. Boum. Ah, bien joué. Non, pousse-le pas. Non, je dois le faire, messire. Vous allez mourir. Oh putain, il est mort. C'est pas moi. Ah, nice. GG à tous. Oh, ça va, on a quand même tracé. Hein. Oui. Franchement, on l'a fait en 5 minutes le niveau.
ça va, l'explosion n'était pas assez grande, ça n'avait pas fini de charger. Et B. Ouais, c'est une sorte de boule qui annule la charge en fait. C'est quoi ? Ok. Une balise qui fait quoi ? Communication à une vitesse supraluminique d'une fréquence. Communication avec quoi ? Les autres installations. Montrez-moi. Protocole de sécurité. En cas d'extinction intempestive, le système entier passe en phase de veille. Les autres plateformes peuvent être activées à distance. Activées à distance ? D'ici ? Allons, soyez réalistes. Écoute, Clochette, commence par... Mais d'où alors ? D'où pourrions-nous activer les autres anneaux dans ce cas ? Mais de l'arche, bien sûr. Oracle, où est cette arche ? J'ai repéré un contact. Impossible de l'identifier. Il n'est pas des nôtres. Descendez-le. Ici Spartan 117. Reçois, terminé. Isolez ce signal. Major, pourriez-vous me dire ce que vous faites sur ce vaisseau ? Monsieur, je faisais un peu de ménage. Boum. Et du coup, le 3 se passe dans l'arche. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Mais ça, c'est une trilogie, les gars. Et d'ailleurs, Halo 2 devait finir à un moment dans l'O3, que je te dirais. Ok. Parce qu'en fait, il est pas... ils ont pas fait ce qu'ils voulaient dans Halo 2. Ils ont pas fait tout ce qu'ils voulaient. Je vois, je vois. Eh B. OMG. Nico appuie sur tab. Ah merde, dommage. Je suis tombé sur un truc cursed. Je suis vraiment tombé sur un truc cursed, j'aurais dû prendre un screen. Bon après, il y a la VOD. Voilà, c'était Halo 2. Attends, je vais voir. Première VOD a duré combien d'heures ? 2h11. On l'a fait en 5h. Hein. Là, c'était ouais, 2h55. Ouais, ouais. On l'a fait en 5h. On a fait 2h55. En vrai, Halo 3, il y a moyen qu'on le fasse en 2h50 aussi. Hein. Non, non, non. Là, la partie 2, c'était 2h55. On l'a fait en 5h. Halo 2. Oui, mais Halo 3, on risque de le faire en moins de 3h. Ok, ouais, ça nous prendra juste demain, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va aller vite, surtout si on ramène du monde. Vendredi après-midi, normalement, tu vois, je comptais faire Halo Reach, mais peut-être ça va se faire samedi, si Reach, vous êtes disponible. Plus... Bah, samedi, dimanche, ou bien lundi, mardi, on verra, comme vous le sentez. En fait, je comptais faire le montage du PC de mon frère samedi, mais il sera disponible dès vendredi après-midi. Du coup, je vais aller chez lui pendant qu'il taffe à distance. Je vais monter son PC. Voilà. Et okay. Ouais, demain je reste oh. disponible. On va faire Halo 3. On va voir si si Gigi et Arthur sont dispo. Et on le fera à 4. Bon, on va clore le record. Je vous remercie d'avoir suivi cette aventure. Et n'hésitez pas à traîner sur mes réseaux. Et je vous dis à la prochaine. Salut.